trois mois de recherche et rien. Il n'y a pas d'Indien ici, non. Mais si ça se trouve, les Indiens rigolos ont disparu depuis longtemps. On ne sait même pas s'ils ont existé, après tout. Les prouvettes affirment qu'ils vivaient du temps de Mathusalem. Mais depuis le temps, ils sont probablement tous disparus. Oh, je l'aime bien, les prouvettes. Aïe! Mais il n'a pas le sens des réalités. Oh, je sais bien que c'est de ma faute, que quand ils m'ont proposé cette mission, ben, j'avais qu'à leur dire non, hein. Oh, quel crétin. Oui, enfin, c'est trop tard. Oui. Enfin, tiens, oh, ça recommence, comme tous les soirs. Oh, quel curieux pays. C'est la première fois que je vois des nuages comme ça tournent. Oui, ben, ça suffit. J'en ai assez des paysages de l'Oronie. J'abandonne et demain, je retourne à Saint-Innocent. Et en attendant, je vais me coucher. Où Katie? Je vais m'en aller d'Oronie et retrouver Saint-Innocent. Oh! Mais on dirait... Mais oui, c'est une pirogue indienne. Une pirogue rigolo. Mais alors... Mais oui, son propriétaire doit pas être loin. Pardi, allons voir par là. Ça vient de par là. Il doit être blessé. Faut que je lui porte secours à ce malheureux. Bon, j'avais raison. C'est bien un Indien rigolo. Je le reconnais à sa plume. Oh, le malheureux. Oh, ben, c'est sûrement un coup de soleil. Ça ne lui serait pas arrivé s'il portait une casquette comme moi. Hein? Oh, pauvre Indien rigolo. Je vais te soigner, moi, à l'aspirine. Ce qu'il te faut, mon vieux, c'est de l'ombre et du repos. Et si je le guéris, il m'emmènera peut-être chez lui, et qui sait? Au boulot. Je comprends rien à Charabia. Oui, c'est d'accord. Tu veux que je te suive? Eh ben allons-y, je te précède. T'as vu ce précipice? Je suis pas un acrobate, moi, dis donc, y a pas un autre chemin. Mais enfin, on n'a pas idée de construire des trucs comme ça. Quoi non? Oh, tu penses peut-être que j'ai la fosse? Oui, j'ai la fosse. Mais faut pas que ça soit. Allez, allons-y, mon vieux. Toi non plus, t'étais pas rassuré. Ah, ça me console. Allez, viens, mon vieux rigolo. Allez. Après avoir longuement marché, ils débouchèrent finalement dans une étrange vallée. Oh, une ville morte. Oh, ben. Oh, mon Dieu. Oh, ce que c'est beau. Oh, il avait raison, les prophètes. Oh,
c'est extraordinaire, c'est ces anciennes civilisations, rigolo. L'éprouvette avait raison pour ça. Mais en ce qui concerne leur fameuse boisson, permettez-moi de rigoler. Ils ne boivent que de l'eau. Ben, où sont-ils passés? Eh, hey, oh, les rigolos, où êtes-vous? Ah, j'arrive pas à les comprendre. Tiens, encore un vestige. Oh, oh, les voilà, tiens. Mon papa, à mon nom, Mélo, un tombada, un colonou. Moi, je ne savais pas que j'avais sauvé le fils du grand chef. Et il avait l'air bien content de me voir. Oui, oui, mes amis, votre chef m'a remis son propre vaca. J'apprécie cet honneur, mais le but de ma mission était de retrouver le secret de votre boisson ancestrale. Hélas, vous l'avez perdu puisque vous en êtes réduit à boire de l'eau. Oh, vous êtes bien gentil. Mais moi, je pars demain. Saturnin songe au retour. À Saint-Innocent de haut en bas. À Saint-Innocent de haut en bas, où chacun suit avec intérêt ou passion les péripéties de la lutte intestine qui oppose Amédée Collat, ancien maire et propriétaire de la société Lecoq, à Hubert de Grossomodo, maire actuel et propriétaire de la source du lac. Mais aujourd'hui, la fête annuelle de Saint-Innocent, la patrouillette, occupe tous les esprits. Et le maire en profite pour essayer d'embellir la ville. Avis, à l'occasion de la patrouillette, le maire recommande aux commerçants de rajeunir leurs boutiques et à tous de fleurir leurs façades. L'administration faisant obligation à tous ceux qui envisagent la moindre initiative de déposer préalablement en mairie une demande de laisser-faire, les formalités d'obtention en seront grandement facilitées. Qu'on se le dise, le maire Hubert de Grossomodo. Regardons ça. Il n'y en a pas un à la fenêtre. Ah, pour les ragots, ils sont tous là. Je me promène pas pour m'amuser, moi. C'est délicat, ce travail. C'est délicat. Dis donc, Arsène, quoi que c'est qui raconte ton tambour? J'ai pas bien saisi. J'ai bien écouté, mais j'ai pas bien saisi. Elle est sourde comme un poule. Et l'autre, là, elle est toujours là après le déluge. J'ai pas bien saisi, Arsène. J'ai bien écouté, mais j'ai pas bien saisi. Quand elle entend, d'abord, c'est tout de travers. J'ai bien écouté, mais j'ai pas de ta bonne mine. C'est délicat, ce travail. Mais s'ils écoutent pas, ils peuvent pas comprendre. C'est délicat. Il a tout entendu, celui-là, j'en suis sûr. Ben, c'en est un qui a fait son chemin. Mais pour sa boutique, il s'en occupe pas beaucoup. Du temps de son père, déjà, on l'appelait la lézarde. Dis donc, Arsène, j'ai rien compris, moi, cette affaire de rajeunir les façades. Avec tous les impôts, on peut déjà pas y arriver, alors... Y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre. Et puis, c'est des vieilles maisons, ça. C'est du solide, ça n'a pas besoin qu'on soit tout le temps après. Ça tient tout seul. Enfin, presque. Oui, jusqu'à temps que ça vous tombe sur la tête. Vous feriez mieux de faire réparer. Ils veulent pas marcher avec leur temps, mon vieux. Le maire, il épouse, mais il a du mal, puis moi aussi. Oh, j'ai un travail délicat. Eh oui, je suis en quelque sorte son porte-parole au maire. Quoique c'est comme ça qu'on dit. Ben, c'est délicat. C'est un nom pour un bistrot. Ah, en voilà un qui a bien choisi son métier, lui. Il est plus souvent en train de boire que de faire boire les autres. Tu peux être sûr qu'il n'a pas entendu mon annonce, celui-là.
si on m'écoute pas, je peux pas faire mon travail correctement. J'ai besoin d'un public attentif. Tambour, c'est délicat. Si on m'écoute pas. Bonjour, Alphonse. C'est une bonne idée qu'il a eu le maire, hein, c'est quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'y dire grand-chose. Il sera bien content d'avoir du monde le jour de la fête. C'est ce poisson qui le rend acariâtre. On dit que ça coupe les jambes, ça y coupe pas la bile toujours son coq. Bien, ceux-là ils diront après qu'ils n'ont rien entendu. Regarde-le donc, le colonel. Il se croit toujours aux Dardanelles. La guerre des Dardanelles. Il était plus fort aux Dardanelles qu'au billard. Bonjour, mon colonel. Raté. Il est plus en forme quand il parle des Dardanelles. Encore raté. Il a encore perdu une bataille. Quoi donc, Alphonse? Saturnin? Ah, je sais pas ce qui devient le drôle. Hein. Mon vieux, j'en sais pas plus que toi, tu sais. Hubert, de grosso modo, il se confie pas à moi. Mes rapports sont des rapports professionnels. Je suis son porte-parole. C'est pas facile d'ailleurs. Les gars, ils savent pas écouter. Ou alors, ils écoutent tout de travers. Le tambour, c'est délicat. Et même quand ils me regardent, hein, lui, ben, ils m'écoutent pas. Non, les gens sont impossibles. Lui, Alphonse, la seule conversation qu'il ait, c'est avec son coq. Mais non, c'est pas un délicat, Alphonse, c'est un arriéré. T'as lu? Dido Arsène, à qui faut s'adresser pour le laisser faire? C'est idiot possible, les gens écoutent pas. C'est trop délicat ce que je fais. À la mairie, à monsieur la paperasserie, allons. S'il vous plaît, monsieur la paperasserie, c'est bien ici. Oui. C'est pourquoi? Eh bien, voilà, monsieur. Ce serait pour un permis de laisser faire. S'il vous plaît. Un permis de laisser faire? Oui, mais quel genre de laisser faire? C'est pour refaire ma boutique. Il y a une lézarde. Réfection d'une devanture formulaire jaune 57 ans. Ben, mais alors, que dois-je faire? Voyons, remplissez le formulaire. Mais pourquoi me demande-t-on l'âge de ma grand-mère et si elle a fait son service militaire? Nul ne peut défaire ou refaire s'il a une grand-mère ayant fait son service militaire. Bien sûr qu'elle a fait son service militaire, elle était cantinière. Je me demande quel est le rapport entre le service militaire de ma grand-mère et ma boutique de grenier. Enfin, c'est ridicule. Une histoire pareille, mais enfin, voyons. Ça n'a pas de sens, quoi. Oui, monsieur, c'est la loi. Article 9 du 8 Brumaire de l'an 2. C'est ce que c'est? Entrez. Bon, alors, c'est ce que c'est? Si c'est pour une demande de laisser-faire, dites-moi clairement de quel genre de laisser-faire il s'agit. Je voudrais repeindre mes volets en rose et mes barres d'appui en noir. Formulaire bleu. Ah bon, très bien. Un triple. Dites-moi, pourquoi voulez-vous connaître le prénom de ma belle-mère? Ça n'a rien à voir avec mes volets roses et mes barres d'appui noir. Je ne vois pas très bien le rapport. Hein? C'est la loi, monsieur. Entrez. Le prénom de ma belle-mère pour l'autorisation de repeindre mes volets en rose. Enfin, voulez-vous vous dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi, vous? Laissez faire, pour ma pension, j'y ai droit, moi. Veuillez préciser quel genre de pension? Pardon, une pension d'ancien combattant. Formulaire 1418 bleu horizon, remplir 17 exemplaires et à faire signer par le général commode à la région ou éventuellement par le ministre des armées. C'est compris, oui? Ah oui, ben dis donc, hein. Ah ben, il faut s'y retrouver, hein. Monsieur, c'est pourquoi je suis là. Ah, le fonctionnaire, oui messieurs, c'est toujours exactement ce qu'il faut faire et bien faire. Le fonctionnaire, messieurs, c'est le bel univers du formulaire. C'est l'administration, c'est la législation qui répond à toutes vos questions. Pour une maison, s'il vous plaît. Forme citron, oui. Pour un achat de tuyaux. Allez à l'autre bureau. Pour un enterrement. Formulaire blanc. Pour l'urticaire, c'est sûrement le vert. Et les impôts, ah ça, je le sais, formule tango. Bon, oui, le fonctionnaire. Toujours à votre disposition, toujours correct. Pour satisfaire aux besoins de la civilisation.
Ah, j'ai compris. Suivez les instructions. Répondez aux questions. Ah, j'ai compris, mon Dieu. L'administration. S'il vous plaît, pour mon petit chien qui se chante. Revenez demain, très tôt le matin. Pour ma pension, ça fait 3 mois que j'ai demandé qu'on m'a pas encore accordé. Il faut que je remplisse tous ces fascicules. Sans oublier une seule virgule, sinon gare, hein? Quoi? Votre matricule, le fonctionnaire A nous protège depuis l'âge du berceau. Il faut s'y faire. Sans lui, vous ne seriez plus qu'un zéro, oui. Ah oui. Des hommes sans nu, zéro. Des hommes sans gaz et l'eau. Peut-être qu'on paierait même pas d'impôts. Quelle digne. Et oui, c'est pour ça que tout le monde se porte bien chez nous, à Saint-Innocent. Quant à moi, je ne fais qu'appliquer les directives de l'administration. Mais oui. Ah oui, mais ça va pas, mais allez-vous, Vatican, non? Si vous n'êtes pas content, moi je n'y peux rien. Si vous voulez vous plaindre, vous n'avez qu'à vous plaindre directement au maire. C'est lui, le maire, Hubert de Grosso Modo, président directeur général de la Source du Lac et maire de Saint-Innocent. Sur le plan municipal, il a vaincu Amédée Colas. Mais sur le plan commercial, le coq est mondialement connu et reste hors d'atteinte. Cependant, Hubert a le goût de la lutte. Goût qui lui vient directement de ses ancêtres, dont le premier, Grosso Modix, valeureux compagnon de Vercingétorix, fut vaincu à Alésia, ce qui permit à Arcadius Grosso Modius d'aller à Rome et d'y devenir consul. À Rome, on rend un petit service par-ci, un petit service par-là, on attrape une particule, on devient monseigneur... Et la considération, en effet, au milieu. Oui, silence, monseigneur. On continue et tout naturellement, on débouche dans la magistrature, avec Côme de Grosso Modo, procureur du roi. Mais la contestation s'installe dans la famille avec Charlotte. Elle milite avec Diderot, bref, finit sur l'échafaud. La famille s'exile alors, acquiert la source du lac. Antoine se heurte à Colas, déjà installé, qui, mélangeant des produits chimiques à son eau, lance le fameux coq. Mais Hubert hérite de la source du lac. Dynamique, il relève le défi des Colas, enlève la mairie et se prépare à détruire l'empire du coq. Alors, mon cher l'éprouvette, avez-vous reçu enfin des nouvelles de Saturnin? Ah non, Hubert, je ne comprends pas. Il n'y avait rien encore au courrier de ce matin. C'est inquiétant. Moi aussi, je suis inquiet. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, vous connaissez Saturnin? Ben justement, aventureux comme il est, dans un pays inexploré, aussi sauvage que l'Oronie, on ne sait jamais ce qui peut se passer, voyons. Allons, allons, pas de découragement, l'éprouvette, de toute façon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai découvert un sérum de vérité. Un sérum de vérité, mais peut-on le vendre dans le commerce? Oh, mais non, ça ferait des catastrophes. Je nourris cette fleur avec mon sérum. Et tenez, dites un gros mensonge. Un gros mensonge? Je ne suis pas le maire de Saint-Innocent. Vous voyez, au moindre mensonge, elle rougit comme une jeune fille. C'est amusant, hein, Hubert? Très amusant, mais dangereux. Allons, notre problème n'est pas de trouver une fleur à détecter le mensonge, mais de concurrencer le coq. Ah, peut-être mon attaché de presse a-t-il des nouvelles. Dites-moi, cher ami, rien de nouveau au sujet de Saturnin? Eh bien non, monsieur le président, directeur général, j'ai parcouru toute la presse étrangère ce matin et rien. Inquiétant. Ah, très inquiétant, ma campagne publicitaire est prête, il ne manque plus que la formule de la fameuse boisson des rigolos. Motus. Vous avez raison, monsieur le président, directeur général, comptez sur ma discrétion. Motus et bouche cousue au sujet des Indiens rigolos. Eh oui, quand on ne sait pas, on ne s'inquiète pas. Mais le coq s'inquiète. Depuis quelque temps déjà, Amédée Colas a installé à Saint-Innocent même un agent de la CDBI, Confédération des Barbous Industriels. Et les rapports de l'agent Belette posent beaucoup de points d'interrogation et laissent présager une surprise possible. Pourquoi Hubert a-t-il financé le voyage de Saturnin dans cette mystérieuse Oronie? Pourquoi l'éprouvette passe-t-il ses jours et ses nuits au laboratoire? Pourquoi prépare-t-on une campagne publicitaire? L'intrusion de Saturnin, enfant du pays et Rouletabille du journalisme, intrigue particulièrement Amédée. Aussi, ce soir a-t-il réuni son conseil d'administration. Mais le colonel ne croit pas aux barbouzes. Mais non, mon cher Amédée Colas. Je ne crois pas à ce rapport défaitiste. Vous occupez une position inexpugnable. Il n'y a pas un seul pays au monde où l'on ne boive le coq. Oui, bien sûr, évidemment, ça, c'est évident. Permettez, colonel. Vous nous avez déjà tenu ce raisonnement aux dernières élections, et nous avons perdu la mairie. Eh bien, Harry, le problème est différent. Je suis de l'avis du colonel. Les rapports de notre agent ne sont pas particulièrement alarmants. Mais non, voyons. N'est-ce pas? Cependant, je tenais à vous mettre au courant.
Et vous avez eu raison, Amédée. Grosso modo est un homme dynamique. Donc dangereux, un homme averti en vaut deux. Il n'y a pas moyen de pas, je vous assure qu'actuellement, grosso modo est entièrement appris par la patrouillette. Bien sûr, bien sûr. Mais ça n'empêche pas notre président de continuer à recevoir les rapports de son espion si ça l'amuse. Mais messieurs, je vous remercie de vos conseils. Et que vive le coq. C'est ça. Comme vous me l'aviez demandé. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais j'ai passé toute la nuit à travailler pour vous. Donc, comme vous me l'aviez demandé, j'ai réussi à m'introduire dans le bureau de l'attaché de presse. Indubitablement, ils préparent une campagne publicitaire. Ils attendent Saturnin. Ah oui? Mais je ne vois pas le rapport entre Saturnin et une nouvelle boisson. Très bien, Belette, continuez la surveillance et que vive le coq! Hello, Miss Emily, on promène le petit. Hello, monsieur 14-18, ça va? Oh, ça va, ça vient. J'ai la jambe qui me tire, le temps va changer. Comme on dit chez nous en Angleterre, quand le temps change, la jambe démange, n'est-il pas vrai? Oh si, mon genou, c'est un vrai baromètre. Ah, les rhumatismes, mais vous croyez qu'ils en tiendraient compte pour ma pension? Eh ben, Mais pourquoi vous ne viendriez pas en parler à monsieur le maire? Il est right. Vous avez peut-être raison, faudra que j'aille lui en parler quand Saturnin sera revenu. Au fait, vous avez des nouvelles, hein? Non, et monsieur grosso modo est très inquiet. Goodbye, miss. Goodbye. Oh, il a mal aux dents, le petit? Oh non, il n'a pas mal à sa dentelle, mais c'est l'heure de la soupe, comme vous dites. Tout le monde va bien chez monsieur de grosso modo? Oh, yes. Et monsieur Saturnin, vous avez de bonnes nouvelles? Oh, shut up you. Good night. Au revoir. Pas moyen de savoir. Si seulement je pouvais savoir ce que fait l'éprouvette dans son laboratoire. Il y passe toutes ses nuits. Alors, tu viens demain, Julien? Oui, je passerai demain. Salut. Oh, ils m'énervent, ces deux-là. Encore un fou du volant. Oh, c'est Saturnin. Ouf, oh, je suis arrivé. 1500 km de route, c'est dur pour un artiste. Oui. Oh, ben mon vieux, après les rigolos, ça fait drôlement du bien de se retrouver chez toi à Saint-Innocent de haut en bas. Maintenant qu'il est là, prudence. On a déjà eu des histoires ensemble. Oh, par exemple, monsieur Saturnin. Salut Albert. L'éprouvette est dans son laboratoire. Hein? Oui, oui, oui. Bon, j'y vais. Pas encore de nouvelles aujourd'hui. Il est pas sérieux. Quand il va revenir, je vais lui dire ce que je pense de lui. Ah non, vraiment, c'est une exagère. Coucou, l'éprouvette. Oh, c'est toujours le même Capharnaüm dans son laboratoire. Oh, à peine arrivé, je prends un rhume. L'éprouvette, l'éprouvette. Tiens, il cultive des fleurs maintenant, l'éprouvette. Rien à faire, je ne répondrai pas. Il a trop exagéré à la fin. Oh, l'éprouvette, mon vieux copain. Oh, qu'est-ce que je suis heureux de te revoir. Oh, si tu savais, alors... Oh, il n'a pas l'air content. Si tu crois que je vais me laisser prendre à tes démonstrations d'amitié... Oh, mais non, t'as trop exagéré ce coup-ci. Oh, Banillon, t'as drôlement travaillé hein, pendant que j'étais parti. Et t'as trouvé quelque chose? Oh, l'éprouvette. Oh, serais-tu devenu sourd pendant mon absence ou est-ce que j'ai tellement changé en 3 mois? C'est moi, Saturnin? Allez, l'éprouvette, quoi. Oh, oui, je sais bien. Je t'ai pas donné beaucoup de mes nouvelles. Mais est-ce que tu crois qu'il y a des facteurs chez les Indiens rigolos, dit... Parce que tu les as trouvés, les Indiens rigolos? Oui. Oh, ça tourne à mon vieux copain. Ah, mais parfaitement. Ton 3 mois de recherche épuisante en Euronie est reçu en sauveur par la tribu des rigolos. Sauver, ça tourne à retrouver les rigolos et leur fameuse boisson. Hein? Ah, les rigolos, oui, mais leur boisson, ils ne boivent que de l'eau. Hein. Oh, ne plaisante pas. Va te mettre devant ma fleur là-bas, oui. Je veux savoir si tu dis la vérité. Oh, ben, une fleur timide qui rougit quand on lui dit des mensonges. Quelle belle invention. Mademoiselle la fleur, je n'ai jamais été chez les rigolos.
Oh ben. Tu vois, impossible de dire un mensonge devant ma fleur. Allez, cesse de plaisanter et donne-moi la formule de la boisson des rigolos. Oh, mais enfin, puisque je te dis que je l'ai pas trouvé, tiens, tu vas voir. Mademoiselle Lafleur, j'ai trouvé la fameuse boisson des rigolos, tu vas voir. Oh, c'est pas possible, malheur. Mais enfin, je le disais, est-ce que tu es convaincu maintenant, hein? Hélas. Oh, faut te faire une raison, mon vieux. Les Indiens rigolos, je les ai rencontrés, mais ils ne boivent que de l'eau. Tu comprends, je te veux dire, de l'eau. Tu es sûr de ce que tu avances? Qu'est-ce qu'Hubert va dire quand il va apprendre ça? Il comptait sur toi. C'est une catastrophe. Non, mais non, voyons. Pour te changer les idées, tiens, regarde un peu ce qu'ils m'ont donné, les rigolos. Oh, c'est extraordinaire. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une réduction d'un mammifère appelé Yo, qui a disparu entièrement de nos jours. Tiens, regarde. Tu te souviens du professeur Popov? Il a fait une thèse sur ce mammifère. Ah, Popov, bah tu penses, je m'en souviens, un blond avec des grosses lunettes. C'est ça, il faut absolument que je lui téléphone cette nouvelle. Oh, bah dis donc, il va être drôlement content alors. Saturnin, sais-tu à quoi je suis en train de penser? Non, mais te connaissant comme je te connais, je vais sûrement le savoir. Il me semble que le professeur Popov soutenait dans sa thèse que le yo était un mammifère du genre mammouth, énorme, et qu'il nourrissait ses petits. Eh bien, continuez. Grâce à des mamelles fournissant un liquide ayant des propriétés extraordinaires. La boisson des rigolos. Mais comme il n'y a plus de yo, ils boivent de l'eau. Allez, tiens, sois un peu sérieux, voyons, il faut aller prévenir Hubert. Allez, viens. Oui, j'arrive. Je suis le plus beau et le plus intelligent de tout Saint-Innocent. Alors tu viens, Saturnin. Ça marche pas. Oh, marche pas ta fleur. Devine le gros mensonge que je viens de lui dire. Saturnin raconta donc à Hubert son aventure et ses mésaventures. Il dit ses recherches vaines, son découragement, puis le coup de chance qui devait finalement l'amener chez les derniers Indiens rigolos. Il plaisanta l'éprouvette sur l'existence de la fameuse boisson qui était tout simplement de l'eau. In aqua veritas, l'éprouvette. Mais il fallait tout reprendre à zéro. Au savant chimiste l'éprouvette de trouver la formule choc capable d'abattre le coq. On discuta fort tard dans la nuit et Hubert conseilla aux deux amis de n'entreprendre les recherches qu'après une petite balade de décontraction en forêt. Qu'est-ce que c'est que ce branle-bas de combat? Ah, ça m'agace de ne pas savoir ce qu'ils mijotent. Tiens, ils s'en vont. Il éprouve tout qui le suit. Oh, ça doit être important. Ils ont pris la route de l'étang. Oh, si je veux connaître leur plan, ce n'est pas le moment de les perdre de vue. Je vais les filer. Mon vieux, l'éprouvette. Ah, c'est agréable de se retrouver dans une belle campagne verdoyante quand on vient de passer 3 mois en Oronie. Hein? C'est agréable de tomber à l'eau ici. Il n'y a pas de sale bête. Mais là-bas, mon vieux, il y a des petits poissons, les ranas. Et si t'as le malheur de tremper ton doigt dans l'eau... Ils sont là. Ils t'avalent le bras tout entier. Ici aussi, on en trouve des petits ranas. Mais ils sont gentils, inoffensifs. Tandis que là-bas, mon vieux, c'est vraiment les piranhas que je connaisse. J'aurais bien voulu te voir les pêcher, les piranhas. Ouais. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. T'en aurais pas pris plus qu'ici. Comment veux-tu que je prenne un poisson avec un olubrius qui parle tout le temps? Tu pourrais pas arrêter de parler un peu? Oh, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça parler, ça me détend. Et quand je parle pas, je m'ennuie. Et moi, quand tu te tais, je respire. Ah bon? Évidemment, mais faut être pêcheur pour comprendre ça.
Quel impas utilisez-vous? Roquefort, brie, sauce tomate, mélangé par moitié avec du son bien frais. Pas mal, pas mal, mais essayez donc le yaourt. Oh, ben, en fait, bavard, vous êtes plus fort que moi. Moi, j'ai une touche. C'est un gros, attention. Oh, un godillot vorace. Pardi, avec ton roquefort, il a cru retrouver son propriétaire. Idiot. Ah bon? Je le suis. Oh, l'éprouvette ne comprend jamais la plaisanterie. Bûcheron, ça c'est un métier, ça. Oh, si j'avais le temps, ça me ferait du bien. Oui, allons voir. Garanti, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu un cri, il y a quelqu'un de blessé. Mais on dirait, mais ma parole. Oh, Saturnin. Tiens, on aurait dit Belette. C'est pas toujours dimanche, bing dans le bois et coupe dans le tronc. Vas-y, retrousse les manches, bing dans le bois et coupe dans le tronc. On va aller se reposer, se promener dans le. Viens voir les promesses, ça c'est formidable pour changer les idées, mon vieux. On t'attend le dimanche. Tout le monde n'a pas une belle voix de ténor comme toi, mon petit Saturnin. Merci bien, les prouvettes. La 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 la. Faut t'attendre le dimanche, bing dans le bois et coupe dans le front. Ma fille retrousse ses manches. La poule fait ses rêves, le peintre. Ah, c'est chouette. L'idiot fait ce qu'il veut, chacun fait son boulot. Tout le monde a du pain sur la planche. Allez, ensemble, vive le dimanche. Les promesses, il est temps de rentrer, mon vieux. Allez, promesses, viens. C'est pas toujours dimanche, bing dans le bois et coupe dans le tronc. As-tu arrêté cette sacrée machine? Il est infernal avec sa machine. Oh. Silence! C'était quoi ton annonce? C'est à cause du bruit après 22 heures. Cette machine, elle n'en fait pas du bruit. Après 22 heures! Ils sont jamais contents. Ils veulent pas de cette machine maintenant. Mais si le maire fait pas de travaux, ils rouspètent. Il est quand même venu. Ça a dû y faire du mal de rajeunir sa façade. Il y a bien 30 ans qu'il n'y a pas touché à cette maison. Pour gagner, il est là. Mais pour dépenser, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça n'a pas été facile de voir Julien, les ouvriers, mon vieux. Il n'arrivait pas à se décider. On verra ça. Moi, j'ai pas pris comme client. Il dit n'importe quoi. C'est bien du travail. Il y en a toujours. Mais c'est l'argent qui manque. Si j'avais de l'argent, il y a longtemps que ça aurait été fait. Si c'est pas malheureux d'entendre ça, lui, qui sait pas quoi faire de ces sous qu'il a amassé comme ça. Oui, mais ben c'est pas tout ça, mais le travail attend pas. Ah là là, puis il y a les impôts. Le maire, il en pétille des impôts. Toujours les mêmes sornettes. Salut! Salut!
Ils se plaignent toujours. S'il en avait aussi peu que moi de l'argent, ben, ils sauraient pas quoi en faire. Tu vas voir ce qu'il va en penser de mon annonce. Alors, t'es content, Alphonse, hein? Plus de bruit après 22 heures. Mais c'est bonne mine, tes annonces, faites-moi de bruit après 22 heures. Et mes clients, alors, ça fait plus détente. Et la détente, c'est toujours la même détente qu'il a, lui. Alphonse, ben veux-tu t'arrêter de boire, c'est si pas honteux. Mais si tu m'aides, au lieu de travailler, le travail se ferait plus vite. Eh ben... Oh, le malhonnête. C'est pas une vie, c'est pas une vie, oh là là. Oh, j'ai tort, oui, en plus, il y a le maire. Est-ce qu'il comprend quelque chose au travail de bistrot, S'il buvait moins, il serait moins acariâtre. Il a la manie de la persécution, il n'y a pas à dire. L'aqua veritas, voilà ce qu'il faudrait. Saturnin. Quoi donc, c'est comme toi qu'il est rentré, Saturnin, mais il m'a pas confié ce qu'il avait rapporté, hein, ça, j'en sais rien. On t'est pas plus que toi. Mais ça. Et puis je saurais quelque chose, hein, j'y dirai pas. Allô? Allô? Ah, c'est délicat ce que je fais avec des gens comme ça, c'est délicat. Oh, ils sont jour et nuit dans ce laboratoire. Je me demande bien ce qu'ils manigancent. Le seul moyen, c'est d'y aller voir. J'irai ce soir. Ah, mon vieux, c'est dur de passer des nuits comme ça. Oui. T'as pas bientôt fini? Ah ben, l'éprouvette, la boisson que t'essaies de fabriquer, ça attire la mouche. C'est peut-être bon signe, hein? Mais tais-toi donc. Bonbon, hein? Mais tais-toi donc, Saturnin, tu parles tout le temps. Comment veux-tu que je réfléchisse? Bonbon, excuse-moi, je le ferai plus, quoi. 3 cuillères de mon sérum de vérité, 18 gouttes de nitroglycérine. À propos, j'ai écrit au professeur Popoff au sujet du vaccin. Ah bon? Oui, il m'a téléphoné. 4 kilos de vitamine B14, 2 litres de phénol clôturantin. Elle m'énerve. Oh, elle m'énerve, cette mouche. Rigolo avait un secret. Attention, la réaction commence. Bon, et si ça vire au rouge, c'est gagné. Oh, l'éprouvette, ça marche. Je comprends, mais j'en étais sûr. J'ai utilisé le pouvoir dynamique de la nitroglycérine anhydre lié à l'effet retard de ma vitamine suractivée B14, plus le pouvoir euphorisant énergétique de mon sérum de vérité. Tu vas voir, ça va me donner une boisson délicieuse et en même temps ultra fortifiante, capable de réveiller à mort. Ça va concurrencer le coq mieux que la boisson des rigolos. Mais je crois que c'est surtout l'effet anhydre suractivé du B14. Tiens. Mais où est-ce qu'elle va encore, cette mouche? Tu m'écoutes, Saturnin. Oui. Tu comprends, d'après Popoff, les rigolos avaient une civilisation très avancée. Ils possédaient le secret de la réduction atomique des cellules vivantes. Ah. Et le vaca que tu m'as ramené serait l'une de ces fameuses réductions. Ah, c'est intéressant. Oh, tiens, oh, regarde la mouche. Mm-hmm. Mais ça a l'air de lui plaire, ton liquide. Mais regarde, elle boit ta boisson, mon vieux. Mais laisse la mouche tranquille. Ah, si bon. On réussissait à réhydrater le vaca avec un certain liquide, on ferait revivre ce mammifère préhistorique. Oh, l'éprouvette, regarde la mouche. Ben quoi, la mouche? Ben, tu te rends pas compte, mais elle a grossi. Elle a bu ton truc et elle a grossi. Mais si moi, l'éprouvette, je trouvais le liquide capable de ressusciter le vaca, quelle gloire, ce turneur! Mais elle grossit. Mais regardons, l'éprouvette, cesse de rêver. La mouche grossit toujours. Mais depuis qu'elle a bu ton truc... Oh, elle m'hypnotise, ce turneur. C'est quelque chose... Bouge pas, l'éprouvette, bouge pas, sinon elle va te sauter dessus. Oh, elle grossit encore de plus pour cette tournée. Voilà, ça s'agit pas de faire une fausse manœuvre. Surtout, ne bouge pas, l'éprouvette. Oh, ballon. Heureusement que j'ai mon arme secrète. Tu crois qu'il me fait peur? Tiens, voilà un souvenir de Saturnin. Je l'ai eu. Un vrai monstre.
Ah, Saturnin, merci, tu m'as sauvé la vie. Oh, oh mon vieux, les prouvettes. Là, quand tu trouves quelque chose, c'est toujours sensationnel. Tu vois, cette boisson-là, eh ben, on peut dire qu'elle est fortifiante. J'arrive bien, ils ont trouvé quelque chose. Alors, sois pas modeste. Le coq à côté, c'est de la petite bibine. J'ai dû doser un peu trop fort. À peine. Allez, viens dîner, va. Mais pour une réussite, c'est quand même une réussite. Allez, allez, tu viens. Oui, je viens, je laisse tout comme ça. Il n'y a pas de voleur ici. Oh, tu penses, il n'y a pas de voleur ici, voyons. Je mine. Oh, zut, j'ai oublié mes allumettes. Ah, elles sont là. Voilà leur fameux jeu boisson. Je vais l'emporter à m'aider la fort à analyser. Allons-y. Brancher le chauffage de secours, sinon mes bains vont refroidir. Raté, c'est pas le moment de rester là. Ah, ça y est, les prouvettes, c'est revenu. Allez, tu viens? Oui, oui, oui. Allez, oui. Allons-y. Hein. Oui, mais le destin veillait, à moins que ce ne soit le hasard. Il faut bien qu'il intervienne pour faire avancer les choses. Sans son intervention, jamais le premier poisson n'aurait sorti la tête de l'eau, et nous en serions encore à espérer au fond des océans. À Saint-Innocent, on ne se doute encore de rien. Tout est calme et repos. Amédée Colas rêve qu'il règne sur l'empire du coq et tient prisonnier son vieil ennemi Hubert. Hubert rêve qu'il a détrôné l'empereur. Sa nouvelle boisson est un nectar des dieux et le monde entier reconnaît son génie. L'éprouvette est épuisée. Une énorme mouche le poursuit, l'empêchant de vérifier ses calculs. Chaque fois qu'il pose un zéro, la mouche avance la patte et transforme le zéro bien moulé en un magnifique neuf qui se met à danser. Impossible de compter. Saturnin rêve aussi. Un énorme vaca s'approche de lui et tendrement l'embrasse. C'est le début d'une amitié. Belette se prend pour James Bond. Pam, pam, elle tire et renverse sa table de nuit. Qu'il rêve. Qu'il rêve, rien n'empêchera jamais le jour de basculer la nuit, ni le réveil de réveiller Alphonse. Pour bien conserver son dentier, prétend toujours Alphonse, faut le garder dans le coq. Mais ce qu'il ne dit jamais, c'est qu'il boit d'abord le coq avant de mettre ses dents. Si Arsène savait ça. J'ai peut-être mis un peu trop de vitamine B14 dans la nitroglycérine. Oui. Ce qui rajoutait à l'effet stupéfiant de mon sérum de vérité. Ah ah, ça monte. Oh, quel rêve stupide! Au moment où Saturnin faisait tomber l'arbre, je saute en arrière et pan dans la table de nuit. Aïe, ma tête! Oh! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais, hein? Hein? Mais ça vient du labo. Mais ça vient du labo. Oh là là, un attentat. On a fait sauter le labo. Oh, je me demande qui a crié comme ça, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, d'une pipe, c'est vraiment extraordinaire. Ça vient du labo. Oh! Oh, je veux bien être changé en saucisse plate si c'est pas le petit vaca que j'ai rapporté. Mais c'est bien le petit vaca que j'ai rapporté de Renny, hein? Oh, j'y comprends rien. Alors. J'ai rapporté une breloque et je retrouve un monument. Oh, voilà les preuves. Oh mon Dieu. Le vaca qui a repris sa taille normale, j'y comprends absolument rien. Qu'est-ce que peut se passer? Oh, hey, gros malin, c'est ta fameuse boisson fortifiante. Bah, c'est pas drôle. Mais il a dû tomber dedans. Oh, tu m'énerves, il faut faire quelque chose, oui. Attends, j'ai une idée. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer là-bas? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais ma parole, c'est un monstre. Il est
vivant. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire? Ben, mon gars, t'en as une belle voiture, ça va bien marcher, hein? Oh, pensez-vous, Père Croumille, ça vaut pas une bonne machine de série comme votre tracteur. Ah, oh, bien sûr, on a l'impression que ça file. Vroom, et puis ça va pas plus loin que chez le garagiste qui a jamais de pièces de rechange. Oui, ben, si je faisais autant de publicité que les autres, j'en vendrais, moi, du cochon. Ah, sûr, d'autant plus que vos cochons, ils perdent pas leur pont arrière, eux. C'est marrant, ah, j'étais venu vous voir parce qu'on a un problème. Un problème? Oui, un problème, moi, j'ai jamais été bien fort là-dessus. Et à l'école, ce qui m'intéressait, c'était la géographie. Justement, Père Croumille, vous connaissez le Rony? Oh, je pense bien là-haut qu'il y a des rigolos, hein? Oui, c'est ça. Je voudrais que vous veniez voir un drôle de mammifère que j'ai rapporté de là-bas. Oh, maman, lui, il est gros, là, ça pour justement, Père Croumille, on sait pas quoi lui donner à manger. Je l'ai jamais vu. Ah, ben, mon gars, il n'y a qu'à lui demander. Dis donc, quoi que tu veux manger? Oh, ah, c'est clair, ça. Et puis quoi que tu veux boire? Oh, j'aurais jamais pensé à ça. C'est formidable, Père Croumille. Mais il va falloir une énorme quantité de foin, hein? Oui, oh ben ça, pour ce qui est du foin, je peux bien le dépanner, j'en ai plein mes greniers. Mais ben, faudrait causer un peu du prix, parce que... Oui. Oh, Hubert, il pourra bien payer ça, lui, les riches. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, monsieur le directeur. Ils abandonnent certainement la lutte contre le coq puisqu'ils montent un zoo. Une idée de ce farfelu de Saturnin. Mais je reste vigilante. C'est ça, vigilance. Tiens, il a beau s'intéresser à rien qu'il dit qu'il intéresse comme tout le monde. Le maire, il soigne sa publicité. C'est pas de la publicité, c'est du reportage. Les journalistes, ils étaient tous des témoins oculaires. Moi, je l'ai pas vu, j'y crois pas. Il était sourd, le v'là aveugle. Messieurs, s'il vous plaît, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est pour couper court aux rumeurs absurdes qui circulent à travers le monde en général et dans notre petite ville en particulier. Il n'est absolument pas question de faire un zoo. Le problème se situe sur un plan d'intérêt bien supérieur. Pourriez-vous nous préciser s'il s'agit d'un intérêt touristique, scientifique ou militaire? Monsieur, ce soir, le professeur Popov vous donnera tous éclaircissements utiles à ce sujet dans sa conférence télévisée de 20h30. Je vous remercie. Très bien, très bien. Ce soir à 20h30. Très bien, merci. Mais de toute façon, Amédée, s'il monte un zoo, nous ouvrirons... Un débit de coq sur place pour les visiteurs. Mais légalement, ils n'ont pas de droit. S'il vous plaît, messieurs, l'émission commence. Mesdames et messieurs, vous allez entendre maintenant une importante communication du professeur Popov, membre de l'Académie. Spécialiste en paléontologie, le professeur Popov vous parle du vaca. Ah, c'est bien. Ne discutons pas, nous allons être fixés une fois pour toutes. Tout d'abord, mesdames, messieurs, pour être clair, n'est-ce pas, je voudrais rappeler que le vaca vaca est un mammifère, n'est-ce pas, qui a disparu de notre globe depuis des millénaires. Or, la petite ville de Saint-Innocent de Haut-en-Bas, n'est-ce pas, possède à l'heure actuelle un vaca vaca vivant. Trouvé par qui? Par un concours de circonstances. Tout d'abord, le jeune explorateur Saturnin rapporte d'Oroni une réduction du vaca-vaca. Ensuite, mon confrère l'éprouvette en cherchant une formule de super fortifiant provoque involontairement le retour à la vie du vaca-vaca. Vous pouvez constater la taille énorme de cet animal, n'est-ce pas, par rapport aux engins mécaniques. Les premières analyses de ce liquide donnent un coefficient de nutrition très élevé, un pouvoir désaltérant énorme, et à mon avis, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, n'est-ce pas? C'est sûr, n'est-ce pas? Devant l'importance de cette découverte, le gouvernement, par ma voix, vous tiendra au courant, n'est-ce pas? Catastrophe, que vais-je devenir? Ce malheur qui aurait pu... Allons, messieurs, ne vous laissez pas abattre. Allons, mon colonel, vous savez bien que perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. Que voulez-vous faire? Établir un plan afin de passer à la contre-attaque. Ah, bien sûr. Mais sur quel terrain? Légalement, nous ne pouvons rien faire. Il est évident qu'un accident peut toujours arriver. Bien sûr. Qu'en pensez-vous, Amédée? Vous pouvez compter sur moi, monsieur le directeur. Carte blanche et que vive le coq.
Tout semble fonctionner. Ah, nous serons prêts pour l'inauguration. J'aime bien ça. Mais oui, mais oui, mais oui, moi aussi, c'est curieux. Il s'est pris d'une forte amitié pour moi. Hein. C'est bien gentil, hein, Vatin. Quand une pipe, cochonnerie de tubulure. Oh, j'y arriverai pas, mon vieux. C'est toujours la même arrivée que je crois. Oh, ah, tiens, l'éprouvette a encore des difficultés avec le branchement de ses tuyaux. Qu'est-ce qu'il y a, l'éprouvette? Ah, c'est toujours l'arrivée du tuyau numéro 4 qui se coince. Ah, ah. Regarde donc un peu au-dessous, si tu peux pas débloquer la vanne numéro 4. Ah, ça y est. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Ah, en fait, ça va, il est fort, mais comme bricoleur, il est pas très doué. Donc. Bonjour, monsieur Saturnin. Ah, bonjour, ça va? On peut pas dire que ça soit un métier ben fatigant. Suffit de faire attention à ce que la porte se coince pas. Et comme m'a dit le père Chromir, si ta porte se coince, la botte sort pas, le vaca mange plus, et c'est pas bon pour la production. Alors. Oh, bien. Ils sont tous là. Ce qu'il faut, c'est saboter la tuyauterie. Bon, je reviendrai ce soir. Là. Ah, je suis pas tranquille. Le vaca avait l'air nerveux. Alors, ça va? Ah, dis donc, t'avais l'air inquiet ce soir, et ce serait Belette qui rôderait dans le secteur que ça ne m'étonnerait pas. Hein? Dis, hein? Depuis que je l'ai vu, oh ben, l'autre jour, là, chez les bûcherons, hein? Je me méfie. C'est pourquoi j'ai préféré venir te tenir compagnie ce soir, tu comprends, mon vieux vaca? Hein? Dis. T'aimes bien, Saturnin. Bon, gros sale. Oh, recommence pas, hein. Ah, bah, dis donc, qu'est-ce que c'est? Oh, t'as vu, hein? Ah, par où elle est allée? Elle ne sait pas où elle met les pieds, la belette. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Oh, je tiens à voir ça de près. Oh, attrapé! Oh, Belette, va te laver! Oh. Monsieur le directeur, vous vous rendez compte? Me faire ça à moi? Oh, je peux tout pardonner, mais ça, jamais! Jamais! J'en fais une affaire personnelle. Je vous propose de fabriquer un char piégé pour le carnaval et arriver devant la tribune officielle. Bam! Tout sautera, l'usine, le vaca et Saturnin. Oh, toutes ces histoires me rendent malade. Oh, mais je serai avec vous pour que vive le coq! Messieurs, je vous annonce officiellement le lancement de notre nouveau produit. Ah, très bien. Comment s'appellera ce nouveau produit, monsieur, s'il te plaît? Pour rester fidèle aux traditions qui régissent notre dynamique société La Source du Lac, monsieur de Grosso Modo a décidé de baptiser notre nouvelle boisson le Vacalac. Et comme l'indique notre nouvelle devise, le moment est venu d'en boire. Mais tandis que la campagne publicitaire fait rage et que chacun goûte au nouveau produit, dans la vieille remise du coq se mijotent d'étranges choses.
que je travaille sur notre char. Mais ne vous inquiétez pas. Tout sera prêt, Belette? Mais oui, patron. Vous pouvez me faire confiance, allez. Après tout ce qu'ils m'ont fait. Oh, vous pouvez être tranquille. Oui. Bon, et pour le produit qui fait du bruit? Ne vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut. Je me suis même procuré un vieux char d'assaut qui nous protégera du bruit. Eh bien, moi, vous voulez-vous que je vous dise? Depuis que j'en ai bu du bac à lac, je me sens capable de transporter des montagnes. Oh, c'est bon. Et toi, l'éprouvette, qu'est-ce que ça te fait à toi? Je n'ose pas l'avouer. Mais le bac à lac m'a rendu gourmand. Mon cher ami, les effets du bac à lac sont surprenants. Personnellement, je constate que mon élocution est devenue époustouflante. Vous dites? Je dis, mon cher professeur, que vous aviez déjà une élocution facile. Oui, ce qui est extraordinaire dans ce produit, c'est qu'il développe uniquement les qualités positives de chaque individu en inhibant ses instincts négatifs. Je comprends pourquoi le gouvernement s'intéresse à nous, bien sûr. Mais oui, mais il n'y a pas que le gouvernement qui doit s'intéresser à nous. Croyez-moi, chez Amédée Colas, ça doit phosphorer dur pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Possible. Surtout avec Belette dans les parages. Il l'a mise, l'affiche. Ah, dis donc, depuis que j'ai réussi à y faire boire par surprise à la place de son coq un bon coup de bac à lac, il est transformé. Il a toujours la même capacité d'absorption, mais il est changé du tout autour, regarde-moi ça. Si j'avais eu un doute sur le bac à lac, il m'aurait convaincu. Tu as un mot contre le maire, la douceur même, c'est inimaginable. Alphonse, tu fais tout de suite la vaisselle à l'heure. Oui, ma chérie. Incroyable ça, alors j'arrive pas à m'y habituer. C'est le jour et la nuit. Dis donc, Alphonse, faudrait tout de même pas exagérer, méfie-toi, tu vas devenir trop bon. Tu connais l'expression, trop bon, trop bête. Y a qu'une chose que le bac à lac n'a pas donné, c'est la modération. Le colonel a encore gagné. Lui aussi, le bac à lac, ça l'a bouleversé. Au Dardanelle, il n'en avait pourtant pas du bac à lac. Je crois que s'il en avait bu à l'époque, il serait au moins général. Encore, mon colonel, c'est mieux qu'au Dardanelle. Oh, pardon. Mais, même si par le monde, il ne reste que deux irréductibles, Belette et Amédée Colas ont décidé d'être ces deux-là. Mais où sont les autres? Ils m'ont tous abandonné. Oh, je m'en doutais. Ces gens-là, des peureux. Et voici le professeur Popo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Absolument délicieux. Et comme je le supposais, les effets secondaires de cette merveilleuse boisson sont extraordinaires et totalement imprévus. Je n'en citerai qu'un exemple qui les illustre tous. Après avoir parachuté des rations individuelles de bac à lac sur deux armées ennemies en présence, les soldats, après absorption, ont laissé tomber leurs fusils pour se mettre immédiatement à jouer à chat-perché. Et les généraux, après s'être embarrassés, ont entamé une monstrueuse partie de belote pour régler le conflit. Oh, j'en suis encore tout ému. Parce que si le monde entier se met au bac à lac, quelle paix sur la terre, mes chers amis. Avis, l'inauguration officielle du complexe industriel bac à lac aura lieu à l'occasion de la patrouillette. Un bac à lac d'honneur sera offert à l'issue du grand défilé, qu'on se le dise. Cette fois, je l'épouse, la valide. C'est délicat, mais le bac à lac, mon vieux, le bac à lac. Ils sont heureux, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils sont trop tous et moi avec, tant pis. Je vais voir un peu ce qui se passe par là. T'inquiète pas, Saturnin, je surveille le coin. Oui. Et je te promets de ne pas m'en donner. Bon. Faut se méfier. Avec Belette, on sait jamais. Tout est éteint chez eux. Oh, ça doit cacher quelque chose, ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien être en train de mijoter? Faudrait pas que je me fasse repérer. Y a personne, non? Bon, ça va. Allons voir un peu plus loin, en faisant le tour du pâté de maison. Ils n'auront jamais vu un char aussi surprenant que celui-là. Ça fonctionne.
merveille. Parfait. Tout est au point pour le feu d'artifice de la patrouillette. À demain. Oh, les malhonnêtes, un attentat à la bombe. Ils veulent tout faire sauter. Oh. Non, non, pas le temps de prévenir la police. Allons-y. Allez, hop. Oh, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut ici pour que je lui bricole sa bombe, sans qu'elle s'en aperçoive. Oh, je vais la transformer en montgolfière. Alors, qu'est-ce qu'on attend? J'étouffe-moi là-dedans. Oh, là là. Oh, il m'énerve. Je me demande si on ferait pas mieux... On va suivre celui-là. Mais vous ne croyez pas qu'on pourrait... De vue de sa politique étrangère, le Vakalak le met dans une position de force sur le plan mondial. Monsieur le ministre, je vous présente Souvenir des rigolos d'Oroni. Mais oui, parfaitement. Moi, mon chat, il s'appelle Métamorphose du printemps. Bravo, 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 bravo. Papillon qui est sorti de ce machin. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils n'arrivent pas. Ah, pourvu de belette, c'est pour imaginer autre chose. Tu comprends, l'éprouvette? Au lieu d'exploser, la bombe doit se retourner et se transformer en montgolfière. Et voici mon charme, poubelle et contestation. Bravo! Ah, j'espère qu'elle n'a pas vérifié avant de partir. Oh, les voilà! Oh, ce qu'on est mal placé. Oh, qu'est-ce qu'on est mal placé. Oh.
feu d'artifice. Et voici notre chat. Rira bien qui rira le dernier. Oh, pourvu que Saturnin ne se soit pas trompé. Mais non, ballon. Pitié, non. C'est Saturnin, on va mourir de faim. Pitié. Oh, mais non, j'ai prévu ça. J'ai mis une nourrice de vacalac dans la tête de la tortue. Vous serez bien forcé d'en boire. Ouais. Débarrassée de ces deux entêtés, la civilisation du vacalac put s'installer définitivement. Et la paix régna